Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine Hugo. Et aujourd'hui on va se faire le nouveau single de celui que j'ai toujours appelé comme étant l'artiste rap le plus talentueux du paysage français, Maître Gims, featuring Sofiane, Loup-garou. Maître Gims du coup qui doit sortir son prochain album qui s'appelle Ceinture Noire. Il a prévu 3 CD sur l'album, carrément. Il a sorti du coup Minya, qui était le premier single de cet album. Ensuite il y a eu le feat avec Vianney qui a leaké, donc maintenant il l'a carrément mis sur les Spotify, donc on peut l'écouter. Et là il connecte avec Sofiane, donc c'est pas la première fois qu'ils connectent ensemble. Il y avait sur Affranchi, Art Africain, qui a donné un son plutôt enjaillant, ensoleillé. Donc là maintenant on est sur apparemment un autre type de son, un peu plus hard. Vous nous avez mais envoyé v'là les messages les frérots, c'est une dinguerie. Donc vous pouvez pas passer à côté, il est clippé. Et le son est produit par Bugatti Beats, qui est aussi producteur de Marabou, Anafidar. D'ailleurs, Sofiane était dans le clip. Voilà, c'est une connexion qui date. Effectivement, je pense qu'on peut quand même discuter un petit peu de cette idée de faire un triple CD. Pourquoi, ton avis? On est dans l'ère du stream. On est dans l'ère du stream. C'est un artiste archi polyvalent, le plus polyvalent qu'on ait jamais eu dans le rap français, comme tu l'as dit. Voilà, il y aura des sons rappés, il y aura des sons pop, il y aura des sons R&B, il y aura même des sons zouk, il y aura de la zumba, il y aura tout. Donc lui, mais autant qu'il fasse même 5 CD, j'ai envie de te dire, il va manger à tout va et ça va vendre par palette. Ouais. Parce que c'est le plus gros vendeur artiste rap français. C'est pas Jul? Non, c'est Maître Gims. On nous en a énormément parlé, donc on va se l'écouter tout de suite. Maître Gims featuring Sofiane, Loup-garou, produit par Bugatti Beats ainsi que Maître Gims. Issu de Ceinture Noire, let's fucking go. Verse un peu de sang pour rougir le bouton. Hashtag Loup-garou sous la peau de mouton. Quoi? Sous le masque du chantier, Calso, c'était moi. Tu prêtes pas la légende, son clash, ta mère. C'est leur feu de mort, inutile de mentir. J'arrive sur l'industrie à dos de Pégase. Pour charmer les sorciers, boire le sang des vampires. Je suis un chaville, je viens des montagnes. Ken, rafale dans Camille, son boîte des cabisses, les abysses m'accompagnent. Patate en battant sans accessoire à route cap. Tombe à son malice, pleurer, fin d'histoire, coup de pompe. Je vis sans coloris, des ennemis trop lents. Transact, drogué le remix, faire le deal. Une baguette magique, un balai volant. Glock JSXR 1000. J'ai dit mon olori, j'allume un bouton sur sous la lune. Le coup changer les impacts au port. De bonne manufacture, go go gadget au port. Je suis transformer, j'ai général motor. Et c'est la fuego les dinero, c'est le uno mon numéro. Pour Adam, Adel, au poulot, on a commencé ça sous le dans le zoo. Invité la danse, ne vu mettez la zone, ça gratte à la maison. Ça devient très très grave. Les démons se branlent quand les hommes s'égarent. Restons sur nos gardes, je pense pas qu'on soit dans un sketch de garde. Je n'ai jamais baissé mon pantalon, je n'ai jamais mis du talent. Je vais te casser les phalanges, tu verras comment c'est marrant. Je suis collé comme un étalon, le baron d'aron des darons. Est-ce que tu me suis? Viens, on parle sur WhatsApp. Je suis sur écoute, mieux vaut chuchoter. Le manager a anticipé que la petite garce allait se faire choter. Eh oh, c'est moi, celui que la SACEM ne peut plus payer. Français, française, j'arrive en 490 cas sur le foyer. Tu marches sur mon putain de sentier, tu penses pouvoir t'en tirer. Je vais t'attirer, ton terre te tarteler. En tarpéré, 93, 12 et 100, le tarteré. Tarteré, la tarte, on t'a retiré. Tarteret, on peut parler de tarteret, frère. C'est une leçon de rap qu'il a fait sur son couplet Maître Gims. Tous les changements de flow, tous les changements d'intonation, de tonalité, le flow chanté, le flow rappé, la cadence hyper rapide, la cadence beaucoup plus lente où il rebondit sur les drums, où c'est beaucoup plus, malléable, et puis tout d'un coup il redevient beaucoup plus dur. Les schémas de rime, ils sont exceptionnels, surtout à la fin avec le 93-12. Et après, il tombe sur les sons, donc le 9-1. Donc voilà, t'as 93, 92, 91, 3-2-1-0. Il y a trop de choses sur ce couplet. Moi, j'ai adoré comment est-ce que ils se font exceptionnellement bien dans avec l'instru. Et surtout la manière dont il arrive en reprenant, comme tu as dit, la phase de Sofiane, mon petit loup. Et du coup, il y a un crescendo jusqu'à ce que ça pète et que Maître Gims, franchement, il débite dessus comme on aime à l'entendre débiter. Parce qu'il a une voix qui est faite pour débiter comme ça, pour prendre le pas sur l'instru, sur le morceau et montrer toute sa palette artistique dessus, nous le montre, tu vois. Et c'est ça qui est excellent avec ce couplet. Le couplet de Sofiane, il est bon. Après, moi je reste toujours sur ma même idée que j'ai pas l'impression que Sofiane puisse ramener des nouvelles choses dans ses featuring en fait maintenant. Ouais, c'est lourd, ouais, il rappe hard. Il y a des phases à la fin où il prend une rythmique un peu différente, donc ça donne une richesse à son couplet, mais sinon de manière générale,
il me surprend plus en fait, Sofiane. Pour moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Sans être, après, c'est pas mauvais, mais je reste maintenant complètement, je dirais, neutre face à ses couplets. Alors, le son, bah ouais, moi j'ai bien aimé le son, hein, forcément. Ça rappe fort. Bah moi je trouve que Sofiane il est pertinent sur le son, tu vois, parce que il débite de ouf. C'est, on attend le Sofiane Energizer qui balance des phases, voilà, son 16 bien dynamique, comme il faut. Donc moi j'ai pas de problème, en plus il fait sa petite référence à Désolé, qui est un de mes sons préférés de la section, tu vois. Donc c'était vraiment bien vu, cet échange de patrimoine, tu vois, patrimoine entre les artistes. Et derrière, t'as Maître Gims, voilà, qui commence avec un bail chanté. Et c'est vrai que du coup, l'instru, elle commence à monter crescendo. Et dès que ça part, là, le flow est lancé. T'as l'impression que c'est une sulfateuse qui est en marche, tu vois. Et quand Maître Gims y rappe, frère, il y en a très peu qui peuvent le prendre. Parce que voilà, comme t'as dit, changement de cadence, changement de flow, variation de voix, assonance, les multisyllabiques, enfin c'est vraiment, lui, il a vraiment la palette du MC God, tu vois. Ah, tu sais, quand tu dis sa capacité à autant changer de rythme et de cadence et toujours être sur le beat, ça me fait penser vraiment à Method Man en fait. Tu vois des sons. Bah tu vois, mais tu sais que le son qui me, ça me fait penser à quoi? What's Happening, gros. What's Happening, ouais. What's Happening, où il y avait Busta Rhymes et Method Man. Et en plus, tu vois la guitare là bizarre, ça. Je te jure que la prod elle me fait trop penser à ça. Rob somebody, grab somebody, stomp somebody, slap somebody, make you wanna step to the bar, sip a party, wild house bands in the club, we in the party, Brooklyn, come on, Shaolin, come on, Queensbridge down to Long Island, come on, Bronx nigga, come on, Manhattan. Dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce nouveau son de Maître Gims en featuring avec Sofiane, Loup-Garou. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez toujours pas, c'est très important, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont Amine Hugo, Snapchat, Twitter, Facebook et maintenant Instagram. On approche toujours des 10 000 et les 100 000 sur YouTube. Pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir financièrement, pardon, la page du Tipeee est dans la description. On se retrouve à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.